تبصر الجزائر أيام قليلة على احتضان الدورة 31 للقمة العربية، وتؤكد السلطات الجزائرية أنها جاهزة على كل المستويات لإنجاح القمة. من مقر الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة. وعن الحكومة والشعب الجزائري أن نرحب بكم جميعا، متمنيين لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أهليكم. العرب المخصص بحث ملفات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل. بين المعالم والعوالم تضفي اللمسات الأخيرة لاحتضان الجزائر القمة العربية في دورتها 31. Madame, Monsieur, bonjour. Édition spéciale Ligue arabe. Avec nous, nos journalistes de la rédaction de Radio M, Karim Kebir, Mohamed Iwanouren, El Qadi Ihsan. Et dans cette constellation journalistique, je salue Yamina Bahir qui reviendra tout à l'heure. Mais tout de suite, musique. Petit tour du côté de la grande histoire. On est le 11 mai 1945, date de la naissance de la Ligue arabe. Elle pesait alors 7 États, les royaumes d'Égypte, d'Irak, d'Arabie saoudite et du Yémen, ainsi que le Liban, la Syrie et l'ancien Émirat de Transjordanie. En ce temps-là, les objectifs de la Ligue arabe étaient bien plus ambitieux. La Ligue présentait des similitudes, tenez-vous bien, avec l'OTAN et le pacte de Varsovie. Objectif: renforcer la région d'un point de vue politique, économique, culturel et social, et pour leitmotiv, une région stabilisée et indépendante. Plusieurs guerres terribles plus tard, un Covid planétaire et plus récemment la guerre en Ukraine et ses conséquences changent l'équilibre des rapports de force. Les cartes sont redistribuées, espérant que la main des pays de la Ligue arabe sera plus heureuse. Certains pensent que cela va déjà dépendre du casting de demain, mardi, l'ouverture des travaux de la Ligue arabe. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, tout de suite, le point d'info avec Yamina Bahir. Yamina, bonjour. Bonjour Sophie. Donc, fin du suspense, le roi du Maroc Mohamed VI ne viendra pas au sommet de la Ligue arabe qui, rappelons-le, s'ouvre demain à Alger. L'information est tombée cet après-midi sur Jeune Afrique et Al-Arabiya qui cite le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les grands absents de ce sommet sont, à part les Émirats arabes et le Qatar, tous les dirigeants des pays du Golfe seront absents. Donc je cite le roi du Bahreïn, l'émir du Koweït, l'émir d'Arabie saoudite, le sultan d'Oman. Pour le reste des pays arabes, le roi de la Jordanie et le président libanais seront présents. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, donc point d'interrogation. Ceux qui sont déjà arrivés, le président palestinien Mahmoud Abbas, le chef de la transition au Soudan, le général Al-Burhan, et le président des îles de Comores. Aujourd'hui, donc, une réunion des ministres des Affaires étrangères s'est tenue à huis clos pour débattre de la déclaration d'Alger, selon l'agence officielle APS. L'Algérie, en sa qualité de pays hôte, présidant la 30e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet, est chargée de l'élaboration de ce projet qui tient compte de toutes les propositions émises et des convergences de vues sur l'ensemble des questions débattues d'ordre politique, économique et social. Tout à fait, mais le sujet phare reste bien sûr la cause palestinienne. Samira Mouaki, notre collègue, nous propose justement la vision palestinienne entre des militants et des analystes politiques. Tout de suite, Samira Mouaki. نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ندعم ونشجع جميع الجهود سواء الإقليمية أو المحلية من أجل تحقيق إنهاء الانقسام وتجسيد المصالحة الوطنية الفلسطينية. والتي نتأمل منها كفلسطينيين أن يكون هناك آثار إيجابية ونتائج إيجابية بإنعقاد هذه القمة، ليس فقط على المستوى الفلسطيني، بأن يكون هناك اتخاذ يعني قرار نهائي بتوحيد الجهود الفلسطينية وتركيز نحو تحقيق المصالحة. القمة تعتبر مهمة جدا وراح تتناول محاور عديدة، منها محور المصالحة الوطنية الداخلية
الحركات القومية لحركات المقاومة من ضمن حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات، مهمة جدا من أجل توحيد المواقف العسكرية والوطنية داخل فلسطين. Les factions palestiniennes et les analystes politiques palestiniens se réjouissent. Nous rappelons que ces propos ont été recueillis par notre amie Samira Mouaki. Spéculation, c'est vraiment ce que déclenche cette ligue arabe entre positif et négatif, entre optimiste et pessimiste. Encore une fois, des propos recueillis par Samira Mouaki. ما تتحدث عن تكامل اقتصادي عربي حقيقي يجعل من العرب في مكانة أخرى يستطيع أن يتحمل وزر ما نتج عن مثل هذه الحرب والعقوبات فيما يتعلق في القمة العربية المقبلة لا أعتقد أنها ستكون أفضل من القمم السابقة أو تحقق شيء سوى أو غير اجتماع الرؤساء وتبادل القبلات والتحيات والخروج ببيان ختامي مسبق. Eh ben voilà, le temps est donné. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tôt justement pour spéculer sur cette ligue arabe, Kébir? Oui, enfin c'est un peu trop tôt d'anticiper sur les résultats auxquels ce sommet peut aboutir, mais on a déjà un aperçu sur la qualité des pays qui vont participer, comme vient de l'annoncer d'ailleurs Yamina, quand même, on a beaucoup de souverains qui ne vont pas participer, et pas des moindres, quand on pense quand même à l'Arabie Saoudite s'est excusé, bien sûr, il y a le roi du Maroc qui vient donc, dont l'absence est confirmée désormais, puis vous avez d'autres aussi souverains qui ne vont pas participer. Et bon, l'interrogation demeure autour de Sisi. Bon, pour le régime algérien, évidemment, c'est une façon, de mon point de vue, de chercher une espèce de légitimité à travers cette ligue et l'organisation de ce sommet. D'ailleurs, ce qui explique un peu tout le tapage médiatique qui a été fait. Je ne me rappelle pas, en tout cas, avoir entendu... tout ce tapage, mais de là à dire s'il y aura des résultats probants, je pense que c'est à vérifier sur le terrain. C'est pas dans les déclarations d'intention, parce qu'ils nous ont habitués en tout cas à des déclarations mais qui ne sont jamais suivies des faits, et sans compter que depuis ces dernières années, quand même, les clivages sont très profonds entre beaucoup de membres liés à énormément de questions et à beaucoup d'enjeux. C'est exactement ça qui est pire. J'ai envie de dire merci du suivi de notre émission. C'est la fin de notre émission. Vous avez vraiment fait le tour de tous les axes. Mais on va commencer par un acte majeur, si vous le permettez. Justement, le cœur de cette Ligue arabe est la Palestine, la cause palestinienne. C'est une ligue qui se veut fédératrice. Qadi Hassan, est-ce que la cause arabe est fédératrice? La cause arabe, je ne sais pas ce que ça veut dire. La cause palestinienne, pardon. Est-ce que la cause palestinienne est fédératrice? Elle est supposée l'être. En tous les cas, elle est dans les opinions arabes. Dans les opinions arabes, elle est. Ça, c'est une évidence. Après, la façon dont les régimes, différents régimes arabes, se conduisent vis-à-vis du lien avec la question palestinienne, évidemment, c'est un autre débat. Il m'a été dit par quelqu'un qui est proche des Nations Unies il n'y a pas longtemps qu'une des raisons qui a poussé Mohamed Ben Salman de ne pas venir à Alger, c'est l'idée qu'il avait d'avoir à croiser Ismaïl Haniyeh, le premier ministre de Hamas, de Gaza, et que c'est une idée qui l'insupportait au point où il ne pouvait pas s'envisager être présent à Alger. J'imagine que ce n'est pas la seule qui a poussé à cette excuse pour ne pas venir, mais ça dit quand même beaucoup de choses sur le lien des régimes arabes avec la question palestinienne. Moi, ce que je voulais dire sur cet échec, on s'arrête sur cet échec, échec du casting, parce que la question, c'était bon, c'était un échec, le casting, il faut le dire. Il y a 15 jours, on espérait avoir tout le monde autour de la table à Alger. Aujourd'hui, on a un match de classement. On devait avoir une finale de poule de Ligue des Champions avec les titulaires. On a les remplaçants. On a principalement les remplaçants. Il y a eu des ligues arabes où il y avait plus de présence. Est-ce qu'elles ont été concluantes, Al-Qadi Hassan? Je me permets de vous poser la question. Un sommet arabe où il n'y a pas l'Arabie Saoudite, il n'y a pas les Émirats Arabes Unis, où il n'y a pas la Jordanie, où il n'y a pas le roi du Maroc. Et les autres pays du Conseil de coopération du Khalij en dehors de Qatar,
Il y a un problème, il y a un très sérieux problème. Et donc, je dois parler positivement, sinon j'ai plus la parole, c'est ça? Mais non, non, voyons, vous êtes sur ATOM. C'est un échec du point de vue des ambitions qu'avait placé Alger. Figurez-vous que ça s'appelait Mu'tamar al-Mshimel. Mu'tamar al-Mshimel, sont les acteurs de l'Mshimel. Bon, après, est-ce que c'est la faute à Alger? C'est pas nécessairement la faute à Alger, mais Alger s'est vu trop beau, trop fort pour réaliser ça. Alger ne peut pas faire le Mshimel quand Alger est impliqué dans un des conflits, des nombreux conflits qu'il y a dans le monde arabe, donc le conflit autour du Sahara occidental avec son principal voisin, le Maroc. Les gens du Khalid nous ont ramené leur propre schisme, leur propre divergence entre les cinq principaux pays du CSG et Qatar, qui sont sur des axes politiques différents. Ça, c'est la réponse à la révolution arabe. Qatar était plutôt avec la révolution arabe quand il y avait des frères musulmans dans cette révolution. Et l'Arabie saoudite et les Émirats étaient contre. Ils ont fait monter Sisi, ils étaient avec Haftar en Libye, c'est un dossier de divergence, etc. Donc tout ça est arrivé. Et d'avoir pensé une seule seconde qu'on pouvait faire le saut par-dessus ces divergences-là et faire l'imshiml à Alger. Je pense que, bon, nous, on voulait y croire. Hein. Nous, à Radio 1, par exemple, on a salué l'idée que Mohamed VI pouvait venir, que tout le monde pouvait venir, etc. On est le 31 au soir. Dans quelques heures, on va fêter les premiers coups de feu de la révolution algérienne. Mais pour le sommet, je suis désolé, on démarre avec un gros bémol qui ressemble à un échec. Finalement, Mohamed, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette normalisation des rapports avec l'occupant israélien crée une scission encore plus profonde parmi tous les pays de la Ligue arabe, bien sûr, au-delà de ce que vient de dire Al-Qadi Hassan? Au contraire, Balak, maintenant, c'est tous les pays arabes qui se rapprochent autour de la question de la normalisation avec Israël. C'est que l'Arabe lui est tafkin illa bashirouhou il est tabou ma Israël. Baqi al-qadaya kulhum mختلفين hawlaha, khasatan al-qadaya al-um, c'est le problème axial, qui est la question palestinienne, les mختلفين عليها تماما. Donc هذا واش اللي ما فهمتش الجزائر. Je pense que الجزائر عطات نفسها في هذه القمه هذه. كما كان يقول إحسان des ambitions, يعني أحلام كبيرة مما ما أن تي با رياليست الجزائر ما كانتش واقعية في التعامل مع القمة هذه. واش كانت حابة؟ يعني هنا أونكور نشوفوا الآخر الفشل تاع الفريق الحاكم الحالي. ما عندهمش استراتيجية, ما عندهمش فيزيون, ما يشوفوش الواقع, يشوفوا عندهم غالقين على أرواحهم في قوقعة. عندهم واحد الشهر ولا بلوس حددوا ان القمه العربيه يديروها في اول نوفمبر الكرويه بلي خلاص سي بون ايزون ريوسي مي لاكورد الجي لا لاكورد الجي سي انكور لي شكل كيفاش انت توضع في الميزان اول نوفمبر باش ما تجيب والو باش في النهايه كاع يقطعوك هنا الاخر غلقوا على ارواحهم القمه ناجحه القمه ماشي ناجحه كوم سي النجاح والفشل قلنا من صافي لونطون حنا هنا في راديو ام النجاح والفشل بارابور اكوا اسكو لازم نعرفوا وين راهي القمه العربيه باش نعرفوا نجحنا ولا فشلنا حنا دونك اسكو العرب دوبوي دي 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 زاني دوبوي بليزيور سومي اسكو حقوا حاجه ما حقوا والو دونك حنا علاش نحطوا روحنا في الميزان تاع النجاح والفشل هما نو من الاول غلقوا على رواحهم في اون بول النجاح كان حتى وين لحقوا وين يقول لك بلي القمه هذه ناجحه قبل ما تنطلق même pas mes noms, même pas le tête en tant que quelqu'un. Donc, d'ailleurs, tout un tapage à l'arbre à Hamburg. C'est-à-dire, quand on a l'arbre à Hamburg, il y a des drômes à Bada Hom. On a encore le fachel de l'alfarik, le hakim, le hakim. Mohamed, sans concession. Je comprends tout à fait. Mais moi, ma question, justement, par rapport à l'Algérie, Kébir, il y a eu une réaction de Tabou. Tabou a une lecture de cet événement. Elle serait vraiment. J'aimerais bien savoir quelle est sa lecture. Ben, sa lecture, je pense qu'elle est, pour être un peu objectif, par une large partie de la population, en tout cas des Algériens, c'est vrai, les Algériens aiment la cause palestinienne, mais en même temps, vis-à-vis de leur régime, ils sont complètement coupés. Il y a une grave crise de légitimité ici, on ne peut pas la cacher, et le régime lui-même ne peut pas la cacher, quand bien même il essaye d'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sommet pour
un peu se légitimer, du moins vis-à-vis de l'opinion arabe. Karim Tabou, il critique ce sommet pour un certain nombre de raisons qu'on a évoquées. Il évoque exactement les clivages qui existent entre beaucoup de pays arabes, à commencer non seulement cette question de la normalisation, et puis tous les spécialistes, en tout cas ceux qui suivent la scène arabe, et il n'exclut pas que d'autres pays vont suivre prochainement, peut-être dans une année, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais en tout cas c'est un processus irréversible, notamment chez les monarchies du Golfe, parce qu'ils ont beaucoup plus à gagner dans la normalisation que d'avoir à affronter un Iran qui est menaçant pour eux. Bon, ça, donc Karim Tabou, il rappelle aussi le fait que ceux qui se rassemblent ici à Alger ont tourné le dos à leur peuple. À commencer, vous n'avez qu'à voir le dernier en date, c'est le Qaïs Saïd qui a pratiquement remis en cause les maigres acquis démocratiques de la révolution tunisienne. Vous avez Sisi on connaît la manière comment il a accédé au trône. Il a pratiquement la présidence, si vous le voulez bien. C'est grâce à la répression. Oui, c'est la présidence, c'est pas le trône. Si vous voulez bien. Donc tous les pays, ils ont rappelons-nous aussi de la guerre au Yémen. Qu'est-ce qu'elle a créé comme clivage. Alors, il y a aussi le problème libyen qui divise énormément de pays arabes dans l'approche de la solution. On a évoqué tout à l'heure le problème sahraoui qui oppose l'Algérie au Maroc. Donc il y a énormément de questions qui divisent les régimes arabes. Et Karim Tabou zoome un peu sur ces questions pour finalement conclure à l'idée que l'avenir, en tout cas le règlement de la question palestinienne qui est en vérité centrale, mais qui de plus en plus perd sa centralité. Parce que vous avez les pays du Golfe qui se rapprochent beaucoup plus des anglo-saxons, ils adoptent pratiquement la politique occidentale. Donc il dit que l'avenir, en fait, c'est dans la démocratisation, dans le recouvrement par les peuples arabes de leur souveraineté. Et c'est là que réellement, peut-être, il y aura cette convergence entre les pays arabes. Écoutez, en tout cas, il y a deux courants qu'on note. Il y a les pays du Golfe qui me semblent, moi, à mon avis, dans une vision plus réelle politique, plus pragmatique. Et puis, il y a d'autres pays qui sont quand même encore dans les slogans. Vous ne trouvez pas, le Qadi Hassan? Moi, c'est les slogans, c'est continuer à soutenir le peuple palestinien. J'aime bien les pays qui restent dans les slogans parce que... Non, mais il faut rappeler un peu le contexte historique de la relation avec cette question. Moi, j'ai toujours été favorable au processus d'Oslo. Mm-hmm. Je pense qu'Oslo, c'est un processus raisonnable qui a permis d'avancer dans la question palestinienne, d'implanter une autorité sur la terre palestinienne et d'essayer de régler les problèmes étape par étape. Bourguiba l'avait proposé en 1956, il avait dit prenez la Defa ou au Gaza et essayez de demander plus après. Bon, il a eu raison historiquement sur la longue distance. Il faut bien lui rendre cet hommage. Tout à fait. Absolument. Après, il y a eu l'accord de 2002, enfin la proposition, l'offre de paix du sommet de 2002 de la Ligue arabe. Le sommet de 2002 de la Ligue arabe, c'était Israël accepte un État palestinien sur les terres de ces cas de 67, selon la résolution. L'Ard Mokabel Salam, donc la terre contre la paix. Et dans la paix, il y a la normalisation, il y a la coopération avec l'État d'Israël, etc. Mais ça suppose la naissance d'un État palestinien sur les terres enlevées en 67. Et ça n'est pas arrivé. Ce que Israël a empêché. Netanyahou n'a fait que pousser à éteindre la solution à deux États. Il n'a fait que cela. Et aujourd'hui, on accepte la normalisation, donc une certaine forme de paix, en contrepartie de quoi il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a que les Palestiniens qui, par eux-mêmes, essaient de rappeler que la revendication d'un État palestinien n'a pas encore été... et donc, ils se battent pour cela. Et il y a, pour moi, une troisième intifada qui est en train de démarrer. Tous les jours, il y a des accrochages, etc. Et dans un contexte comme ça, là, je ne sais pas ce que... Vous appelez, Madame Sophie, la politique pragmatique, mais se rapprocher d'Israël pour les Émirats Balek, c'est pragmatique. Balek, ils ont des intérêts parce qu'ils sont
un peu un protectorat britannique. Permettez-moi de répondre à cette question, Kadé Hersen, justement. Quand je dis pragmatique, je dis que de plus en plus, les États des pays du Golfe pensent, font cavalier seul, ils pensent à leur intérêt. Je pense au roi de l'Arabie Saoudite, qui en ce moment fait les yeux doux à la Russie, qui pense à aller au BRICS. On parle même d'une certaine monnaie qui réunirait les pays du Golfe. Donc c'est par rapport à cela que je disais que peut-être ils sont dans une vision beaucoup plus pragmatique que la nôtre. Enfin, quand je dis la nôtre. Sur le plan économique, c'est clair que la coopération est beaucoup plus avancée entre les pays du Golfe, et une réunion réussie du CCG est plus importante qu'un sommet raté de la Ligue arabe. Pour eux, c'est prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts économiques sur lesquels se greffent des intérêts politiques. Bon. Mais est-ce que c'est un cours, et c'est là, en cela que Karim Tabou a tout à fait raison de mettre le doigt sur le fonctionnement institutionnel, est-ce qu'il est partagé par leur opinion ? Est-ce que si on laisse l'expression libre dans un pays comme la Jordanie ou dans un pays comme l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est un cours qui va être adopté, le cours de rapprochement avec Israël ? Non. Je pense que justement, ça a provoqué une gêne. La normalisation ne passe pas la société. Et donc, des gouvernements qui engagent, ou des autocraties qui engagent des cours que toi, tu appelles... pragmatiques, et qui vont à contre-courant, à fond de leur opinion. Moi, je pense que ça pose plus problème pour l'avenir. C'est pas être visionnaire que de faire ça. Merci, le Kadi Hersen, de me donner la perche. Justement, et si c'était oui, et je vais parler là de géopolitique et de géoénergie politique. Dans la Ligue arabe, il y a des pays qui ont le pétrole, qui sont producteurs d'énergie. En ce moment, ils ont le vent en poupe avec la dramatique guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'ils ont le vent en poupe. Et justement, est-ce que ces pays-là ne vont pas être plus riches, ils ne vont pas avoir d'autres intérêts? Et est-ce qu'elle ne devient pas un boulet, la Ligue arabe, Mohamed? Non, ils ont déjà d'autres intérêts, mais de toute façon... Moi, j'adore, ils tranchent, Mohamed, oui. Non, ils ont déjà des intérêts ailleurs que dans la Bien Ligue sûr, arabe. Bien sûr, oui. Et ce sera peut-être le salut de la région que cette Ligue arabe disparaisse d'une manière définitive, parce que rien, pratiquement aujourd'hui, parce que la Ligue arabe est née dans une conjoncture. Mm-hmm. Dans les années 40, vous avez cité là... comme l'OTAN. Voilà. Mais malheureusement, tous les blocs qu'on connaît, les tekatoulats qui sont présents dans le monde, sont des tekatoulats économiques. L'État européen a des tekatoulats autour du fahm, le charbon. Pour que tu vois l'État européen, les États-Unis ont des pays petits, des États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prouver l'existence de la nation arabe pour qu'il y ait une Ligue arabe ou un bloc arabe. Sur la base d'intérêts économiques, oui, on peut avancer. Mais là, on doit d'abord avoir des blocs avec les pays plus proches de l'INA, yani d'où le Karib et l'INA, c'est l'Afrique du Nord, d'où le Chemin africain, pour qu'on puisse nous aider à nous aider à nous aider à nous aider. مع دول المنطقة العربية بشكل عام الشرق الأوسط إلى آخره. Donc il faut repenser tout ça. Ou pour repenser tout ça, il faut aussi l'autre, il faut repenser les États arabes à deux années. Parce qu'il y a des États arabes qui sont nés dans une conjoncture. Mais معروف donc نروح الفلسطين قضية الفلسطينية اللي هي القضية المحورية اللي راه اليوم هي اللي ولات au lieu de connaître fédératrice, ce qui va coûter quelques mille bidaïs, il y a ou là il y a Hajar Athra, tout à fait, le Jamia Arabia ou un point de divergence, c'est un point de discorde, le ben André Mahdi, parce que la Palestine, il y a c'est la contrepartie de la naissance d'un pays qui met la Jordanie, مثلاً, qui met le Liban et la Akhire. Donc il faut revoir toute l'histoire de cette région pour comprendre pourquoi la Ligue arabe ne marche pas, ne marche plus. Je pense que c'est la fin d'un mythe, c'est le mythe de la nation arabe qui est arrivé à ces termes. Alors, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, le Jami'a l'Arabia, c'est près, mais il y a l'Andim l'Arabia, plus que ce qu'il Justement, le Kébir, est-ce que c'est une institution qui est has-been? Allez, c'est ce que nous dit Mohamed. Est-ce qu'elle n'est plus dans l'air du temps? Est-ce que vraiment le monde a changé et cette institution, c'est un peu la vieille tante qui embarrasse? Absolument, parce que d'abord les enjeux ont changé,
la géostratégie a changé, la conscience chez les peuples a changé, les intérêts ont changé. L'Algérie elle-même, implicitement, elle avoue qu'il y a une crise au sein de la Ligue arabe lorsqu'elle appelle à la réforme de la Ligue arabe. C'est que quelque part, ils admettent qu'il y a une panne dans le fonctionnement de la Ligue arabe. Mmh. Et puis, je rappelle aussi que nous avons une femme politique en Algérie qui a eu le courage et l'audace d'appeler au retrait de l'Algérie de la Ligue arabe, c'est Mme Louise Hanoun. Parce qu'effectivement, je pense que notre avenir à nous, c'est d'abord en Afrique du Nord, comme l'ont fait lors de la déclaration Tanger les anciens responsables des partis nationalistes. C'est notre avenir, donc c'est en Afrique du Nord d'abord. Mais malheureusement, on a vu le problème sahraoui qui devient franchement un problème qui s'éternise. Et donc de là à dire est-ce qu'il y a un avenir de la Ligue arabe, moi personnellement j'en doute parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les intérêts sont divergents et les pays du Golfe sont résolument tournés vers l'Occident. Vous pouvez pas, la relation qui lie, et quand je dis Occident, vers la Méditerranée, implicitement déjà, je dis un rapprochement avec les États-Unis et qui dit États-Unis dit c'est-à-dire un rapprochement aussi avec Israël. Et ça, connaissant la position doctrinale, en tout cas de l'Algérie, c'est ce qu'il répète chaque jour que Dieu fait, c'est l'impossibilité de normaliser avec Israël. Donc franchement, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va faire encore à continuer à rester dans une coquille qui finalement est vide. Est vide. Bon, moi je pense qu'on est... On est en train de mélanger un peu les choses. C'est-à-dire que l'échec du sommet, c'est une chose. On est en train de subir parce qu'on a laissé passer la propagande officielle algérienne. Blé, c'était possible, le Mishim Lahada, donc on a joué le jeu, etc. Aujourd'hui, c'est la douche froide. Bien. Dire que la Ligue arabe n'a pas d'avenir, c'est autre chose. L'espace arabe, il a un très grand avenir. L'espace arabe a un très grand avenir. Il y a un lien. La nation arabe n'existe pas, on est d'accord. Le problème n'est pas là. Mais la nation européenne n'existe pas. Il existe, ouais. Il y a des nations en Europe. Des nations, comme il y a des nations, ouais, dans le monde arabe. Ça, c'est idéologique. Si on dit la nation arabe, on est dans l'idéologie. Mais dans la géopolitique, c'est un espace géographique, arabe, oui. L'espace arabe est décisif. Oui. La déclaration du 1er novembre, elle a été lue au Caire. Le 31 décembre au soir, le 31 octobre au soir, on y arrive. Quand il y a eu la révolution en Tunisie, le contre-coup, ce n'était pas au Sénégal, ce n'était pas en Espagne, c'était en Égypte. Et derrière l'Égypte, c'était en Syrie. Et derrière la Syrie, c'était au Yémen, en Libye. C'était dans l'espace arabe. Donc il y a un lien géopolitique de l'espace arabe. Et ce lien, il est posé par la géographie d'abord, par la culture et l'histoire ensuite. Il ne faut pas se tromper sur ça. Dire qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, c'est à mon avis... Mais on parlait de l'institution. L'institution peut-être... Excusez-moi, messieurs, mais l'institution telle qu'elle est aujourd'hui... L'institution, s'il existe un espace, il faut qu'il y ait une institution. L'institution est mauvaise, et on en a parlé tout à l'heure, parce qu'elle ne représente pas le point de vue des opinions, le point de vue des peuples. Ce n'est pas une institution démocratique. Donc le problème, c'est les peuples avant tout. C'est les peuples. Le problème, c'est parce que c'est un espace qui n'a pas été ouvert à la liberté. On pensait que c'était le cas en 2011, le début de la révolution, mais ça s'est pas fait. Donc moi, je pense qu'il faut rester, prudent. Donc, on parle de Méditerranée, ça s'ajoute les espaces. On est inséré dans l'espace arabe. En étant une nation amazigh à la base, avec une culture arabe et musulmane qui est arrivée, mais ça n'interdit pas. Il y a une contradiction comme ça dans votre discours, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord que la Ligue arabe, depuis 1945, elle a gagné, elle a eu quelques coups d'éclat, mais que depuis, on ne lui compte pas un coup d'éclat. On est d'accord qu'il y a des scissions entre les pays arabes, on est d'accord qu'il y a plus... Eh ben, il faut la renouveler, la repenser différemment. D'ailleurs, à ce propos, ne pas avoir d'avenir, c'est autre chose. On en sort. C'est autre chose. On en sort, on la dissout, c'est pas ça. Il faut la renouveler. Il faut la renouveler. Elle se renouvelle par les membres Taha. La Ligue arabe a commencé à se renouveler. Lorsqu'il y a eu la révolution tunisienne, lorsqu'il y a eu le président Mansouf Merzouki qui a dit on ne peut pas siéger avec un dictateur qui m'a. Voilà. Il a dit on ne peut pas siéger. Il était l'un des acteurs de le premier
a poussé à l'exclusion de l'Assad. Et les autres se sont sentis visés, hein, bah, parce qu'il y avait l'Assad tiré sur son peuple, les autres se sont sentis visés. Voilà, voilà une, le type de réforme qui peut faire avancer une institution comme ça. Mais par rapport à son venir, moi, je pense que ce n'est pas ça le mais débat. Mais en tout cas, au moins être ouvert à la réflexion, voire oui, oui, bah, sans enfin, filtre. C'est la réflexion, c'est faire en sorte que la Ligue arabe ne soit pas un handicap, ne soit pas un blocage pour l'émergence, l'émancipation des opinions libres des peuples arabes. C'est ça. Ouais. Oui, mais la Ligue arabe, Hassan, elle est créée par des régimes à l'origine fasciste. Ils sont basés sur l'exclusion des cultures. Oui, pour l'espace arabe, l'espace des peuples arabes. Oui, mais la des peuples arabe, de la région arabe. C'est même pas des peuples arabes, c'est des peuples de la région. De la région arabe, oui, de cette région du monde qui est la région. On peut l'appeler Moyen-Orient ou monde arabe ou région arabe, peu importe. Mais l'avenir, c'est pour ces peuples-là. Pas pour les régimes qui sont déjà remis. Mais on ne peut pas se passer d'une institution, voilà. même mal faite, on ne peut pas se passer. Il y a l'enjeu énergétique. Il faut se rappeler de la guerre de 73. Et elle a joué un rôle dans l'embargo en 2002, l'offre dont j'ai parlé. Même si elle est très décevante et fracassée, et qu'elle joue un rôle contre-révolutionnaire d'ailleurs, contre la... L'institution, il faut voir comment la réformer, mais il ne faut pas la jeter à la mer. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, je comprends tout à fait votre position, le Kadé Ihsen, mais en tout cas, constat. On revient au sommet, Oui. Ce serait bien, parce que là, on est avec la Ligue arabe, on a oublié le sommet, on est à Alger, ça se passe à Alger. Tout à fait. Mais juste un petit point, si vous le permettez. En tout cas, ce qui est de l'ordre du factuel, c'est que Ben Salman n'est pas venu. Donc, dans le bloc des pays du Golfe, il y a plusieurs rois ne sont pas venus. Ça, on le note. Et il y a Qatar qui est arrivé. Qatar qui essaye de nous vendre, de nous faire un peu son soft power et qui essaye de venir à Alger. Peut-être pour donner une bénédiction par rapport à sa Coupe du Monde qui est très contredite et qui n'est pas très... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne pense pas que ce soit ça le l'enjeu. Qatar était, rappelez-vous, le prince de Qatar, Thani, était présent à l'ouverture des Jeux d'Oran. Oui. Et donc à ce moment-là, on savait qu'il serait présent au sommet. C'était noué. Et je pense d'ailleurs aussi que Sisi devrait venir. J'espère qu'il va venir, sinon... Sinon, on sera le sommet d'Alger sera dans de beaux draps. La question, ce serait peut-être de savoir qu'est-ce que Alger n'a pas bien fait pour espérer avoir plus de participants. Qu'est-ce qu'Alger a raté? Qu'est-ce que la diplomatie algérienne a raté pour ne pas avoir? Parce que ils ont caressé les Émirats dans le sens du poil, malgré le fait qu'il y ait une un consulat, je le répète toujours, les Marocains, ça ne leur plaît pas, mais un consulat émirati à Dakhla, ils n'ont jamais critiqué, ils ont créé une crise monumentale avec l'Espagne, pour beaucoup moins que ça. Ils ne disent rien avec l'Arabie Saoudite, ils sont dans le sens du poil, la normalisation, ils disent c'est une question, ça occupe les pays. Bon. Donc on sentait bien qu'Alger faisait des efforts pour essayer de faire en sorte que ces pays-là viennent. Mais ils ont raté quelque chose quelque part. Et moi, je pense que ce qu'ils ont raté, c'est la campagne contre le Maroc. S'ils voulaient avoir un peu plus de chances de réunir tout le monde à Alger, ils auraient dû stopper les attaques de la télévision algérienne, de la PS, des radios, etc. Depuis 6 mois, de lever le pied, dire on a un sommet, on va laisser passer, après on verra. Le sommet ne repose pas sur la présence du roi du Maroc, bien que nous, bien sûr, nous regrettons que le roi ne soit pas là. C'est un groupe, hein, c'est le même groupe qui a boycotté. On ne peut pas parler officiellement de boycott. Peut-être qu'on peut dire qu'ils vont vers d'autres intérêts. Peut-être que vraiment il y a un enjeu dans le BRICS. Peut-être qu'il y a un autre axe qui est en train de se dégager. Nous sommes en train d'assister devant nos yeux ébahis. Il y a un autre axe qui se dessine dans le monde arabe. J'ai une dernière question à poser, si vous me le permettez, messieurs. C'est la fin de notre émission. Finalement, qu'est-ce qu'on retiendrait? Donc demain les chefs d'État vont discuter entre eux, mais qu'est-ce qu'on retiendrait comme moment fort de cette Ligue? La Ligue ou le sommet ou le, déjà ou la Ligue, là, ou demain on va en parler. Tout à fait, votre moment fort, le Kadé Ihsen, ou bien Mohamed, je vous en prie. Qu'est-ce qu'on retiendrait? Bon, je ne retiens aucun moment fort, parce que le seul moment fort qu'on attendait, c'est la présence de tout le monde, puisque il n'y avait pas d'enjeu dans ce sommet, parce que les sommets arabes se ressemblent pratiquement depuis des années. Le seul enjeu, c'est que l'Algérie puisse réunir tous les pays arabes ici. Et ils ont échoué. Ils n'ont rien fait, en fait, pour réunir tout le monde.
Hassan posait la question, qu'est-ce que l'Algérie a raté pour que ces chefs d'État ne viennent pas. Mais en fait, l'Algérie n'a rien fait. L'Algérie a utilisé ce sommet arabe uniquement pour endormir le peuple, pour la consommation interne. Et aujourd'hui, elle est face à la réalité. C'est comme l'histoire de la Coupe du Monde. C'est la même chose qu'on a raté. Elle était entre nos mains et on l'a raté à la dernière seconde. Et on voulait responsabiliser l'arbitre. Gassama. Moi, en tout cas, hier, j'ai vu M. Lamamra avec tous les ministres à l'Opéra d'Alger fêter l'événement. Je me suis dit que peut-être il y aurait de belles résolutions ou bien il y aurait, je ne sais pas, quelque chose de positif à en tirer. Non, apparemment, même Kébir, il n'est pas du tout sous le charme. Non, ça n'a pas marché. Maintenant, vous savez, Lénine disait qu'il faut leur faire avaler le mot pour qu'ils avalent la chose. Donc, il y a tout un tapage pour faire croire, en tout cas pour l'opinion nationale, qu'il y a une grande réussite. Mais concrètement, moi je dis toujours, concrètement, est-ce que, d'abord, le ministre a parlé qu'ils vont parler de beaucoup de sujets, mais est-ce qu'ils vont prendre des décisions lorsqu'on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui les divisent, qui divisent à la base ces pays. On revient vers ça, tout à fait. Après, on n'a pas parlé de la présence, de mon point de vue, c'était prévisible en tout cas l'absence du Maroc, c'était presque prévisible, de mon point de vue, c'était prévisible l'absence du Maroc, et le Maroc aussi, on connaît, il y a beaucoup de monarchies qui le soutiennent dans la question, dans l'approche de la question sahraoui. Et j'ouvre juste une parenthèse pour dire que cette proximité entre les royaumes ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à très loin. D'ailleurs, même dans le fameux film Risala, qui est le meilleur produit sur l'islam qui a été fait par Mustafa Al-Aqab, un Américain d'origine syrienne, et bien quand le roi du Maroc a financé le film, l'Arabie Saoudite s'était opposée. Et bien le roi du Maroc a dû annuler le tournage du film au Maroc, pour l'envoyer, il a été joué par la suite en Libye. C'est pour vous dire que quand il s'agit des intérêts qui les concernent, les rois en tout cas, puisque c'est historique chez eux, ils sont très proches l'un de l'autre. Je suis peur avant votre avis, je pensais qu'il allait dire le roi a financé le Futuhat. Un Khadim al-Haramain et l'autre c'est Amr al-Mu'minin. C'est les descendants, c'est le royaume chérifien. Donc objectivement, je pense qu'on doit se garder de tirer encore des conclusions définitives. Il y a un échec par rapport à l'ambition très haute affichée par l'Algérie. Ça, il y a un échec. Après, est-ce qu'il va y avoir un échec par rapport à tout? Je pense que on a besoin de regarder ce qui va se passer demain, d'avoir plus d'informations que Yamina ne nous a pas données sur le contenu des discussions en commission des ministres des Affaires étrangères. J'ai entendu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dire que tous les sujets ont été abordés et que tous les sujets vont être repris dans la déclaration d'Alger. C'est Mahal Nekash. Oui. Évidemment, ça ne va pas être tranché rapidement, cette négociation. Donc, par rapport à cela, on va attendre. Qu'est-ce qu'on peut espérer ? On peut espérer que le processus de rapprochement, de réconciliation interpalestinien soit consolidé par tous les pays de la Ligue. Même si ce n'est pas MBS qui est là. Ça va être difficile parce qu'on sait que chacun a ses préférés et que l'argent, s'il doit aller à Ramallah et ne pas aller à Gaza, ça pose un problème. Mais il faut espérer qu'il y ait un minimum d'accord sur cela. Qu'est-ce qu'on peut, espérer aussi ? C'est important parce qu'il y a des élections en Israël, qu'il y a une polarisation de l'opinion. Là, la Ligue arabe a un rôle à jouer pour dire nous, on ne lâche pas l'État palestinien, on ne le lâche pas, on le consolide. C'est important. Voilà. Si on a ce minimum, on va dire tant mieux. Tant mieux, c'est déjà cela. Sur la Libye, on a eu une confrontation quand même sanglante entre deux pôles portés l'un par donc l'Égypte, les Émirats et l'Arabie Saoudite, l'autre par Qatar la Turquie. L'Algérie étant plutôt un acteur relativement neutre, même s'il préférait la Tripolitaine à la Syrie naïque, à Haftar. Peut-être qu'on peut trouver un terrain minimal, mais il existe déjà. C'est le respect de la légalité internationale, revenir aux élections. Mais il y a toujours ce problème. Est-ce que Haftar a le droit d'être candidat ou pas? On peut régler ça à Alger. On peut décider à Alger entre la fois de dire des élections, ok, mais Haftar ne peut pas être candidat.
et on soutient cette position. Est-ce que les Égyptiens vont l'accepter ? Vont l'accepter. Voilà. Il y a quelques points, parce que c'était ça la question. C'était qu'est-ce que vous espérez, les grands moments. Oui, bon, on est à la veille du début. Mais on peut avoir quelques objectifs minimalistes qui ne sont pas le grand objectif de l'Emchim que nous avons dû, le régime de Tebboune, pendant des mois. Mais vous restez optimiste, Kader Hassan. Non, je veux rester réaliste. J'espère qu'il y aura un minimum de choses. On est quand même dans cette ambiance du sommet arabe depuis des mois. Et là, ces derniers jours, nous, on est à Alger Centre. On subit le préjudice de ce sommet depuis des semaines. On espère quand même... On a eu de la musique, Kader Hassan. Vous êtes de mauvaise foi. On a eu de la musique dans les rues d'Alger. Vous êtes de mauvaise foi, Kader Hassan. C'est possible. Je vous l'accorde. Merci. C'est sur cette note pleine d'optimisme que je vous dis merci pour votre suivi. Merci, messieurs. Et je vous fixe au rendez-vous, chers auditeurs, demain, même heure, même chaîne, pour un suivi de la Ligue arabe, du sommet de la Ligue arabe. Le rebondissement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Excellente écoute de la suite de nos programmes sur Radio M. تبصل الجزائر أيام قليلة على احتضان الدورة 31 للقمة العربية وتؤكد السلطات الجزائرية أنها جاهزة على كل المستويات لإنجاح القمة. من مقر الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة. وعن الحكومة والشعب الجزائري أن نرحب بكم جميعا متمنيين لكم إقامة طيبة في بلدكم وبين أهليكم. العرب المخصص بحث ملفات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في نوفمبر المقبل. بين المعالم والعوالم تضفي اللمسات الأخيرة لاحتضان الجزائر القمة العربية في دورتها 31.